Savez-vous quel est le point commun entre tous ces personnages? C'est Amélie. Amélie Poulain. Et elle va changer leur vie. Dis-moi, papa, si tu retrouves une chose de ton enfance à laquelle tu tenais comme un trésor, ça te rendrait comment? Mais quand il bosse, il risque pas d'être flashé par le radar. Pas vrai? Elle se met en quatre pour arranger les cafouillages de la vie des autres. Mais elle, qui va s'en occuper? Je la connais même pas. Mais si, tu la connais. Dans tes rêves. Elle serait pas en train de nous tomber amoureux. Les coups de foudre, ça existe. Est-ce que vous êtes belle, Georgette, quand vous rougissez? C'est mon aréophagisme. C'est vous? Si, c'est vous, ça. Après Alien la Résurrection... Collignons tes canons. Le nouveau film de Jean-Pierre Jeunet. Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Et si elle changeait votre vie? Lady Di. Vous croyez qu'ils vont faire la même chose pour Lady Di? Elle, c'est Amandine Fouet, la mère d'Amélie. Elle aime les costumes des patineurs artistiques. Elle n'aime pas se réveiller avec des plis sur la joue le matin. Amélie, elle va lui changer la vie. Voilà Gina, la collègue d'Amélie. Sa grand-mère était guérisseuse. Ce qu'elle aime, c'est faire craquer les os. Lui, c'est Joseph, un amant est conduit par Gina. La seule chose que celui-là aime, c'est crever les pustules des emballages en plastique. Amélie, elle va changer leur vie. Ça veut dire quoi, ça? Lui, c'est Collignon, l'épicier. Il passe son temps à humilier plus faible que lui. Mais quand il bosse, il risque pas d'être flashé par le radar. Pas vrai? Amélie, elle va lui changer la vie. Lui, c'est Lucien. C'est vrai que Lucien n'est peut-être pas un génie, mais Amélie l'aime bien. C'est du courrier pour vous. Collignon, t'es canon. Lucien, tu es le roi des magiciens. Amélie, elle va changer sa vie. Il est Didi. Vous croyez qu'ils vont faire la même chose pour Lady Di? Lui, c'est Nino Quincampoix, comme la rue. Je la connais même pas. Mais si, tu la connais. T'as tes rêves. Si, c'est vous, ça. Amélie, Nino va changer sa vie.